soldats barricadés cette entrée. Nous devons nous préparer pour le prochain assaut. Marius, viens, suis-moi. Nous allons peut-être pouvoir obtenir un répit. York est perdu. Nous devons essayer de sauver le plus d'hommes possible. Le fleuve est notre seule issue. Nous les aurons à Rome, à bord du navire de guerre. Il est capable de soutenir toutes les attaques lancées par les barbares. Non, ils devront embarquer sur les autres navires. Commodus et sa garde ont fui à bord du navire de guerre. Ils ont été les premiers à quitter le port, en jetant femmes et enfants par-dessus bord. Quel est l'état de nos défenses, soldats? Nous sommes coupés de tous les quartiers et nous essayons de tenir les ponts, mais la plupart des nôtres ont été évacués. Bien. Quand tous nos hommes seront à l'abri, nous évacuerons sur le dernier navire. Compris? À vos ordres! Marius, par ici! Il faut absolument en informer le Sénat. Commodus devra payer pour ce qu'il a fait. Prends le commandement, Marius. Va chercher nos hommes sur le pont et ramène-les vivants. Je vais superviser l'évacuation d'ici. Vous là! Repliez-vous! Préparez-vous à évacuer! Je vais prendre les scorpions pour couper votre retrait. Faites-moi passer sur la rive gauche. Allez! Allez! Allez-y.
Damoclès était un grand guerrier. Il était admiré par toute son armée. Mais ses méprisables généraux l'abandonnèrent. Némésis, déesse de la vengeance, permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Marius Titus, tu es un général de Rome. Je t'ai fait venir pour me protéger de Damoclès. Mais tu es Damoclès! Les dieux me viennent en aide! Tu es Damoclès! Oui, en effet. Et mon histoire touche presque à sa fin. Je n'avais plus qu'un seul but, un seul et unique désir. Le désir de vengeance. Me venger de l'empereur Néron, qui avait massacré ma famille. Me venger de ses fils méprisables, qui avaient décimé ma légion! Pour accomplir cette vengeance, il me fallait revenir aux origines. Retourner chez moi. Le chemin du retour vers Rome fut pavé d'embûches. Le mal dont souffrait la Bretagne s'était répandu dans cette ville. Des réfugiés affamés se pressaient sur les routes pour échapper à la torture et à la misère, fuyant une Rome autrefois libre. Le chaos avait remplacé l'ordre. Mon seul but désormais était de regagner Rome et de mettre un terme à cette folie. Je devais empêcher Néron de détruire la ville que j'aimais, et la rendre au peuple. Qu'est-ce qu'on a là? Un héros? Un noble vétéran des campagnes? Baissez vos armes, ou vous êtes mort. Attrapez-le! Ne vous laissez pas faire!
Tuez-le ! Ah ! Allez ! Allez ! Oh ! Ouais ! C'est ça ! Donnez-lui le sang à cette crapule ! Ah ! Ah ! Un légionnaire a tué Atticus et Janus. Il y a quelqu'un. Vous deux, allez voir. Ce n'est rien. Retournez à vos postes. À vos ordres. Je vais devoir éviter les rues si je veux m'en sortir. Un rebelle est dans la nature, et nous allons le retrouver. Là ! Espèce de chien ! Allons-y ! Lâchez vos armes ! Prenez-vous.
bas. Tant mieux, moi aussi. Il en reste combien ? Centaines, à peu près. Sur la Via Augustis, quelqu'un a dessiné la tête de Néron sur la croupe d'un cheval. Mauvaise idée. Ils sont pas allés de main morte. On est en train d'enterrer toute la rue. Qui peut nous aider ? Plus d'eau propre, plus de sanitaire, plus de lit. Quant à la nourriture... Quelle nourriture ? Je dois la quémander. On est perdu, étranger ? Non. Je suis d'ici. Ça a bien changé, hein ? Rome n'est plus ce qu'elle était. Tu vois, Marius, ce n'est pas toujours dans des contrées lointaines que nous attendent nos pires ennemis. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père était un héros de l'Empire. Ton père était un grand général et un sénateur apprécié. Trop apprécié, peut-être. L'Empereur est un homme jaloux. Et mesquin. A vécu au service de Rome. L'empereur Néron ne vit que pour Néron. Il veut le pouvoir pour le pouvoir. Il se prend pour un dieu. Un vent glacé du nord a murmuré des mots perfides à l'oreille de l'empereur. Ton père et ses compatriotes voulaient rendre Rome au peuple. Alors Néron les a fait assassiner. Après tout, c'est ce que font les empereurs. Il a partagé le fruit de sa cupidité entre ses deux fils, Basilius et Commodus. Il leur a confié des pouvoirs et des responsabilités dont ils ne sont aucunement dignes. Rome a abandonné ses enfants, Marius. Tu es une pièce maîtresse dans le camp des hommes. Et tu as, comme nous tous, un vrai rôle à jouer. Damoclès, l'esprit de la vengeance. L'avenir de l'Empire est entre tes mains. Sauve Rome. Sauve Rome, Marius.
ne devait participer au tournoi de l'Empereur. Un seul homme pouvait m'y faire entrer. Je lui rendis donc visite. Damoclès ? Je suis venu pour le tournoi. Ah ! Tu es un gladiateur ! Oh ! L'armure mythique est une très bonne idée. C'est assez... Seuls les meilleurs guerriers participent au tournoi. Voyons si tu te bats aussi bien que tu t'habilles.